Salut mes petits cuistots, c'est Hermès, bienvenue dans ma cuisine. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle recette. La cuisine. Bon, vous m'avez envoyé pas mal de textos suite à la vidéo des bricotons et vous vouliez encore de la friture. C'est parce que c'est l'été, vous voulez faire des apéros, des petits pique-niques en plein air. C'est ça, hein? Bah bravo, c'est ça la jeunesse d'aujourd'hui. Un coup de rosé et un snack au bord de Seine. Tout à fait, c'est exactement ce qu'il faut faire pendant l'été. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une recette très simple et je vais enfin casser le mythe du snacking. Wouhou! Aujourd'hui, ce que je vous propose, ce sont les vrais nuggets de poulet. Pas celles qu'on voit chez McDonald's, s'il vous plaît. Donc, on est toujours dans cette même optique, des repas entre potes, des petits grignotages, ceci, cela, parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud et qu'il faut souvent boire. Hein. Et si on boit pour se réhydrater, ben, il faut manger. Parce que si on mange pas et qu'on fait que boire... On sait comment ça finit. C'est en buvant n'importe quoi qu'on baise avec n'importe qui. Ne l'oubliez pas. Et tout de suite, on passe aux ingrédients. Donc, niveau des ingrédients, comment on va faire des nuggets de poulet? Il va nous falloir des blancs de poulet. Et bah oui les enfants, c'est ça à quoi ça ressemble à la base de votre nuggets. Vous vous souvenez de Gaston? Et bah là, c'est comme si on avait enlevé de Gaston avant. Hein? Un blanc de poulet, c'est comme ça. C'est pas un petit morceau. De deux oignons. Ne me demandez pas pourquoi, vous allez voir, c'est une surprise. Prendre de la maïzena, des œufs, de l'huile de friture, de l'huile pour friture. De l'huile pour friture et de la chapelure coréenne qu'on appelle du panko. Pourquoi? Parce que j'adore cette chapelure, tout simplement. Vous pouvez en trouver facilement dans tous les supermarchés asiatiques. Voilà, elle est très très légère, elle est vraiment top. Un petit peu d'ail, black pepper et un peu de curry. Au niveau du matériel, nous aurons besoin d'une casserole pour faire frire, au moins assez grande pour plonger des oignons, de 3 récipients. Vous allez voir pourquoi. D'un couteau et d'une planche à découper. C'est parti, on y va! Première chose à faire, c'est qu'on va transformer notre poulet en petits émincés. Voilà à quoi ça doit ressembler, un blanc de poulet nettoyé. Ah bah, je vois que monsieur est là. Vos petits trucs là, vos petits déchets, vous les donnez à votre tigre, c'est Leroy. C'est toi mon tigre? Vous voyez, c'est comme ça que vous faites manger votre bébé tigre. Ou alors c'est un Pokémon qui a pas encore évolué. Donc voilà, vous découpez votre poulet en gros morceaux comme ça. Prenez vos oignons et vous faites des entailles dedans. Il faut que l'entaille n'aille pas jusqu'au bout en fait. Et après, vous ouvrez délicatement pour faire une fleur d'oignon. Voilà à quoi ça doit ressembler. Et il fait une de ces chaleurs les loulous. Alors, premier bac, 4 œufs, on prend la toutouille à œufs et on remet. Dans le dernier bac, la chapelure. Alors, vous n'hésitez pas, vous mettez ce que vous voulez dedans. Curry, ail et on remue. On va prendre de la fleur de maïs parce que c'est sans gluten et c'est beaucoup plus léger. Une fois que vous avez vos 3 bacs de prêt, et ben c'est fini. Voilà. Au revoir. Oh mes petits cuistots, tout simplement. Je vous montre un. Donc vous le mettez dans la maïzena. Vous le sortez de la maïzena. Vous le mettez dans l'œuf. Hop, un petit aller-retour. Tout simplement. Vous enlevez l'excédent et hop, dans la chapelure. Et voilà. Et on les fait tous comme ça. Et même les oignons. On vient de finir un oignon. Et on va tout de suite le mettre dans l'huile. On va quand même utiliser l'écumoire. Lui, on va directement le faire frire en premier. Et regardez-moi le deuxième oignon qui arrive. Boum! En tout cas, j'ai même pas envie d'attendre celui-là. Et ben, c'est au tour de notre petit poulet! Je sais que je suis pas marrant aujourd'hui, mais sérieusement, il fait une de ces chaleurs. Et je vous dis pas, je suis comme un peu là, j'en peux plus. Je suis obligé de manger des coups. Une boule avec deux pattes, tu seras ma créature! Mais qu'est-ce que j'ai créé? On dirait un monstre. Et voilà les amis, les nuggets sont prêtes, ainsi que l'oignon frit, donc c'est pas des onion rings. J'ai enlevé le cœur de l'oignon et j'ai mis une petite coupelle remplie de sauce barbecue que je suis allé chercher moi-même au Texas. Yes, my name is Gazin and I am from Texas in the country of the Resort. Welcome in America, the West is the Brazil of the Red World. Comme ça qu'il parle là-bas, c'est un truc de dingue. On va goûter. Et voyez, il y en a aucune qui a la même forme. Elles ont toutes des formes différentes. Regardez comment c'est cuit. Regardez comment c'est... Regardez. Ah, c'est chaud. Ah, regardez. Ma super nuggets. Un petit peu dans la... Ça se voit YouTube. Oh yeah. Thank God for welcome to Bless in America. Hi-ha! Regardez. Vraiment bien cuit. Tendre. Et ça, c'est du 100% filet de poulet. Bah écoutez, mes custos. Arrête, s'il te plaît. Mais voyons, tais-toi un petit peu, hein. Donc écoutez mes petits cuistots,
la recette elle est finie, j'espère qu'elle vous fera très plaisir. Très simple, très sympa, là vous voyez, je vais aller les manger avec des potes tranquillement. Ce qui est bien c'est que avec cette panure on n'a pas beaucoup d'huile qui va rester. Donc après vous mettez une petite salade à côté et vous avez fait un petit repas du soir nickel et sain. Vous pouvez manger des trucs frits, il n'y a pas de problème, mais du moment que ça soit sain. Vous voyez, ça vous mettez pas des pommes de terre, vous mettez pas des frites avec, c'est pas nécessaire. Ou alors vous faites un vrai cheat meal. Mais là vous voyez, vous pouvez agrémenter ça d'une salade et ça suffit amplement. Donc vous avez vu, 100% naturel ces nuggets, il n'y a rien d'artificiel dedans, vous avez vu tout ce que j'ai fait. C'est comme ça les vrais nuggets, hein. C'est pas avec de la viande séparée mécaniquement, hein. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Faut que j'arrête de dire n'hésitez pas. Ça serait bien que vous mettiez en commentaire. Abonnez-vous si cela vous dit. Pour trouver toutes les infos, le Facebook, l'Instagram, le Snapchat, dans la description de la vidéo. C'est la dernière vidéo du mois de juillet, donc du coup je vous souhaite de bonnes vacances. Il n'y aura pas de vidéo au mois d'août. Je vous retrouve à la rentrée, mes petits cuistots. Entre temps, dorez-vous bien la pilule, pécho comme des malades. Et n'oubliez pas de cuisiner comme des dieux. Bonnes vacances à tous, je vous love. Et surtout, je vous love. Et surtout n'oubliez pas, plus vous mettez d'amour dans vos petits plats, meilleurs ils sont. J'ai chaud. C'est parti, on y va. C'est parti, on y va.